Alors, pour réaliser le petit chariot pour ranger vos outils, vous allez avoir besoin d'un petit peu de matériel de récupération, enfin surtout si vous voulez faire un petit peu de récup. Donc moi, je vais réutiliser un petit pot que j'ai depuis assez longtemps que j'utilise comme pot à crayon. En fait, c'est normalement quelque chose pour les couverts, pour égoutter la vaisselle. J'avais acheté ça à Carrefour ou à Leclerc, je ne sais plus où. Donc je vais le réutiliser, ça sera mon pot central. Vous allez avoir besoin de différentes boîtes de conserve. Donc moi, ça fait quand même un certain temps que je récupère mes boîtes de conserve. Ça, c'est parti des au cas où que je stocke indéfiniment dans mes boîtes pour pouvoir faire ce type de bricole. Donc j'ai différentes dimensions. Donc je vais avoir des grandes boîtes, ce qu'on appelle une demi, hein, une demi-boîte. Vous les lavez bien sûr et normalement vous enlevez l'étiquette. Des petites et j'ai même une toute petite ici. Donc moi je vais m'amuser à faire un arrangement autour de ce pot central pour pouvoir ranger les différentes choses. Bonjour Face. Ensuite vous allez avoir besoin d'un plateau tournant. Donc là moi j'ai enlevé la partie antidérapante caoutchouc qui est à l'intérieur, donc je m'en fiche, je m'en servirai pas. Ça c'est pareil, je ne pourrais pas vous dire le prix, ça fait longtemps que je l'ai parce que ça fait longtemps que je prévois de faire cette création et je trouve toujours une excuse pour ne pas la faire parce que j'ai pas le temps, parce que j'ai d'autres choses à faire avant, donc je pourrais pas vous dire le prix. Maintenant c'est pareil, je l'ai acheté à Carrefour ou à Leclerc, donc ça ne devait pas coûter des 100 et des 1000. Vous avez également des plateaux un peu plus grands que vous trouvez à Ikea en bois. Donc ça peut être éventuellement quelque chose de sympa. Moi, étant donné que mon plateau est assez petit, du coup, j'ai fait de la récup. J'ai récupéré un carton rigide rond, très certainement que j'avais récupéré d'un truc à pizza, je crois, mais je ne pourrais pas vous le garantir. D'un truc à pizza ou d'un truc de poêle? Je sais plus, tiens. Enfin bon, c'est un carton rigide, donc qui pourra soutenir mes pots. Donc il y aura lui, bien sûr, qui sera au milieu. Je vous présenterai tout ça hein, tout à l'heure de manière un peu plus détaillée. Mais grosso modo, mes pots vont venir se positionner autour, comme ceci. Hop, là je vous le fais à la rapide. Voilà. Donc faites en sorte, si vous avez la même option que moi, d'avoir un carton quand même assez rigide, parce qu'il y a le poids des pots et il y aura le poids de ce qu'il y a dedans. Donc il faut quand même que ce soit un carton qui ne va pas s'affaisser dès qu'il y aura un petit peu de stock au niveau du plateau. Si vous voulez éviter de mettre du carton, ben dans ces cas-là, choisissez un plateau tournant qui sera quand même beaucoup plus grand. Comme je vous dis, IKEA propose ce type de plateau, mais du coup, ben voilà, ça vous coûtera un petit peu plus cher. Au niveau des boîtes, et ça va être ma première étape, c'est qu'en majorité, vous allez avoir des boîtes avec ce qu'on appelle des ouvertures faciles. Donc vous avez un opercule que vous ouvrez, mais du coup, vous avez toujours une petite bande sur le côté qui reste, qui peut être coupante parfois. Et du coup, bah, vous perdez un petit millimètre. Voilà. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez rabattre, comme je l'ai fait ici. Donc avec une simple pince, hein, vous venez aplatir en fait tous les bords, le petit rabat. Et comme ça, bah, vous êtes sûr que vous ne vous couperez pas dessus. Et ça ne vous gênera pas pour ranger des affaires. Et ensuite, bah, vous pouvez attaquer la décoration de vos boîtes en quelque sorte. Parce que bah, concrètement, j'ai pas trop envie de voir ma boîte de Lugaskun tout le temps. Ou ma boîte de tomates pelées Carrefour. Voilà, donc vous pouvez commencer à faire vos décos après sur la boîte et on fera l'assemblage ensemble. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, la deuxième étape, ou en tout cas la première étape après avoir rassemblé votre matériel, ça va être de décorer les pots que vous allez utiliser ou pas. Après, c'est un choix. Vous pouvez très bien garder les pots tels qu'ils étaient ou vous pouvez tout à fait les décorer avec du tissu, du découpage, de la peinture, etc. 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 Les choix sont infinis. Je vous fais confiance pour ça. En ce qui me concerne, je suis restée à mi-chemin entre le produit brut et le produit un peu décoré. J'ai simplement peint mes boîtes de conserve avec de la peinture blanche en spray et je suis venue y mettre différents petits
rubans décoratifs, des washi tape, etc. Donc j'ai plusieurs, voilà, j'ai plusieurs modèles. Je ne suis pas restée sur une décoration unique. Je me suis amusée un petit peu avec mes différentes boîtes. Là où je m'amuse encore plus, c'est avec mon élément central. Je l'ai également vaporisé avec de la peinture blanche. Et là maintenant, je viens m'amuser vaporiser dessus en fait de la peinture, mes petites peintures que je m'étais fabriquées peinture à alcool. Ça tient bien, donc du coup, bon, ça tiendra le temps que ça tiendra. C'est de la récup, rien ne m'empêche moi après de recommencer de me faire une petite décoration dessus, mais j'aime ce petit effet un peu bariolé, un peu constellé, un peu galaxie originale. Donc moi je vais continuer à faire ma décoration et ensuite on viendra à l'étape de l'assemblage. Alors, changement de programme, comme quoi rien n'est figé au niveau de la création. J'ai changé d'avis au niveau de mes petits pots. Je trouvais que l'effet sur mon petit bac en plastique était assez joli. C'est un style particulier, mais c'est un style que j'aime bien. Donc du coup, j'ai eu envie de reproduire cet effet-là directement sur mes petits pots. Et je trouve que ça a plus de gueule. Alors du coup, j'ai enlevé tous les scotch et les washi tape, etc. que je pouvais avoir sur mes petits pots. Et du coup, j'ai repeinturé avec mes peintures en spray. Hein, donc les peintures spray alcool. Je vous remettrai la vidéo en barre d'informations si vous le souhaitez. Comme j'avais mis une peinture blanche en spray sur mon pot pour métal, ça fait que la peinture accroche. Donc il n'y a absolument aucun souci. Alors le mieux, ça serait très probablement de vernir tout ça. Sauf que je n'ai pas de vernis, je n'ai plus de vernicole. Je vais peut-être essayer de bidouiller un petit quelque chose avec mon gel médium, histoire de protéger un minimum, même si je sais que voilà, c'est une décoration qui va être quand même relativement éphémère. Je me fais pas d'illusions, je me fais pas d'illusions là-dessus. Si j'avais eu vraiment un vernis bien costaud, peut-être que ça aurait tenu comme il faut. Voilà, là, ça tiendra le temps que ça tiendra. J'aime bien cet effet un peu galaxie, un peu voilà. Donc juste pour vous montrer que j'avais bien recourbé en fait hein, le petit bout de métal là qui dépasse. Donc là je peux passer mon doigt sans problème, je ne me coupe pas. Et c'est décoré. Donc maintenant la prochaine étape, une fois que tout ça sera sec, et une fois que j'aurai mis un petit peu de vernis ou de gel médium, ça sera de faire l'assemblage. Et une fois qu'on aura fait ça, on aura fini la création et il suffira de ranger nos affaires. Donc je vous dis à tout de suite. Alors, l'ensemble de mes pots sont secs. J'ai réussi à me trouver un vernicole qui traînait. Donc, je ne suis pas sûre qu'il va tenir très très longtemps. Mais au moins, ne serait-ce que pour donner un petit fini. J'ai vu sur Facebook que vous étiez intéressé pour savoir comment faire. Alors, c'est très 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 simple. Scraboulette a d'ailleurs deviné le mode de fonctionnement. Je vous ai quand même préparé une petite vidéo pour vous montrer comment faire concrètement, mais c'est bien les encres en spray que j'ai utilisées, hein, donc voilà. Donc je vous montrerai ça dans une autre vidéo, et là vous avez le petit pot en plastique. Donc même sur le pot en plastique, ça a tenu grâce à la peinture que j'ai posée par-dessus. On va commencer, donc j'ai regroupé l'ensemble de mon matériel, à savoir mon petit plateau en carton rigide, mon petit plateau tournant, j'ai de la colle chaude, je ne vous l'avais pas mentionné, mais utiliser colle chaude, je pense que c'est plus pratique. Après, vous pouvez toujours prendre la colle époxy si vous avez besoin de quelque chose de beaucoup plus rigide. Moi, comme je dis, c'est de la récup et rien ne me dit que dans un mois, je ne vais pas m'en lasser et du coup, je risque de changer encore la décoration de mon petit organiseur. Donc, je vais commencer par coller mon petit plateau sur mon plateau tournant. Je ne sais pas si vous entendez d'ailleurs, j'ai une fanfare qui joue dehors. Donc, vous m'en voyez fort désolée si la fanfare arrive jusqu'à vos oreilles. Donc...
on met généreusement de la colle chaude, généreusement et assez rapidement. Aouh ! Et on se brûle au passage. Et on essaye de centrer au maximum. Voilà. L'avantage de la colle chaude, c'est qu'elle va sécher vite. On n'aura pas besoin d'attendre pour pouvoir l'utiliser. Et j'ai mon plateau qui est prêt. Alors, je vais commencer à poser mon élément central au milieu. Donc, ça paraît moche à l'intérieur, on s'en fout, on ne le verra pas à l'intérieur. Donc, le mettre à peu près au milieu. Je pense que j'ai pas été assez patiente, ma colle est pas complètement assez chaude, mais c'est pas grave. On va l'aider un peu. Hop. Voilà. Tac. Car une fois, si c'est pas complètement centré, c'est pas non plus dramatique. Comme à chaque fois, je vous le dis, c'est pas une fusée qu'on est en train de monter. Ça n'a pas à être calibré à la perfection. Ensuite, bah, vous regardez un petit peu là. J'aime bien ce côté, donc du coup, je vais coller ce côté qui est peut-être un peu moins joli. Donc là, j'ai fini de faire le collage de mes boîtes sur mon élément tournant. Donc maintenant, il va me rester juste à faire le tri dans mes affaires et commencer à ranger mes petits outils sur mon nouveau chariot organiseur. Alors voici mon chariot donc qui est terminé. On va faire le petit tour rapide pour vous montrer comment j'ai rangé un petit peu mes outils, etc. En fait, ça m'a permis de regrouper dans un seul endroit beaucoup de petits pots que j'avais qui étaient dispersés un petit peu sur mon petit coin créa. D'ailleurs, j'ai fait pas mal de changements au niveau de mon coin créa. Donc, je pense que je vais vous faire une petite vidéo pour vous faire un petit edit par rapport au craft room tour que j'avais pu vous faire la dernière fois, il y a à peu près un an. Oui, à peu près un an maintenant. J'ai encore 2-3 petites choses à modifier et après, je pense qu'on sera bon pour faire une petite vidéo. Alors, donc, mon petit chariot ressemble à ça. Vous l'aviez déjà repéré au niveau de la dernière petite séquence. Petit changement, et donc, si vous faites la création, je vous inviterai à faire une petite modification par rapport à ce que j'ai fait. Si vous avez des gros pots comme ceci qui sont dans le même contexte que moi, c'est-à-dire que vous avez un petit plateau tournant avec un plateau en carton par-dessus, les gros pots que vous allez avoir vont être remplis en général. Hein. Moi, c'est des stylos et des pinceaux. Mais le poids va avoir tendance du coup à faire basculer le pot vers l'extérieur. Donc si je peux vous donner un conseil, là je me suis mis, vous le verrez peut-être pas, je me suis mis un petit fil en nylon qui est rattaché en fait à l'élément central
Donc du coup, ça maintient mon pot vers l'intérieur. Ça ne le fait pas basculer, ça l'aide à ne pas basculer en fait en dehors du plateau. Donc si vous faites vous la création, un petit conseil, soit vous collez les gros pots que vous pourriez avoir au pot central, ou alors vous essayez de trouver un système pour maintenir les pots tous ensemble. Donc si vous n'avez pas forcément envie de faire une décoration peinture, vous pouvez tout à fait prendre un gros ruban que vous viendrez en fait coller ou que vous viendrez nouer ici, et ça maintiendra, ça sera joli, et ça maintiendra l'ensemble des pots ensemble regroupés. Donc ça, c'est peut-être une petite modification que je ferai si je rééditais une nouvelle fois cette création, si je refaisais une nouvelle fois cette création. Donc ça, c'est peut-être important pour vous si vous n'avez pas encore lancé la fabrication. Concrètement, qu'est-ce que j'ai sur mon plateau? Beaucoup de choses. Je vais avoir ici tout ce qui touche au stylo gel. Donc je vais notamment avoir mes petits stylos blancs que j'utilise beaucoup pour faire la fausse couture. J'ai ma petite gomme qui traîne là parce que c'est quelque chose que j'utilise souvent, donc j'aime bien l'avoir là. Ici, j'ai regroupé tous mes stylos noirs. J'aime beaucoup utiliser des stylos noirs, notamment quand je fais des toiles avec des mandalas. J'aime bien finaliser en fait mes formes avec des stylos noirs. Donc j'en ai de plusieurs tailles, voilà, différentes, des permanents, des charpies, etc., etc. Donc j'aime bien toujours avoir un stylo noir plus ou moins épais à disposition pour faire mes dessins ou mes décorations. Ici, c'est un peu le pot où je mets un peu tous les outils qui permettent soit à faire du pliage. Ici, donc ça, normalement, c'est un outil qui sert pour les rubans, pour gratter votre plaque de plastique et faire adhérer le motif sur votre papier. J'ai mes poinçons, j'ai mon outil à keyline, j'ai des petits bâtons qui me servent éventuellement à faire des mélanges de peinture. Ici, j'ai des choses qui me permettent de faire de l'embossage. Voilà, c'est un petit peu tous les outils pointus ou pas, bâtons, etc. J'ai même mon plioir qui traîne quelque part. Voilà. Voilà, donc un pot un peu, j'allais dire pot pourri, mais bon, presque. Ici, ça va être, mis à part les pailles McDo, je vais avoir les stylos, les crayons à papier, etc., qui traînaient un petit peu partout. Et j'aime bien du coup l'avoir sous la main parce que ça me permet de faire le vide au fur et à mesure. Parce que j'ai souvent des stylos qui traînent mais qui ne sont, marchent plus. Donc voilà. Ici, c'est le pot à pinceau. Donc, pinceau de toutes les formes. J'ai même des brosses à dents, très utiles. Des petits palettes couteaux. Des petits pinceaux calligraphie. Voilà, j'ai regroupé l'ensemble de mes pinceaux, même un petit pinceau rouleau. Donc, ici, j'ai tous mes pinceaux qui sont réunis. Alors qu'avant, ils étaient caché au fin fond de mon étagère parce que j'avais pas forcément la place. J'ai également rajouté mon petit heat gun que j'ai donc du coup à disposition également. Ici, j'ai regroupé tout ce qui coupe, ciseaux de différentes tailles, les tout petits ciseaux. J'ai mes scalpels, j'ai mon autre tout petit ciseau. On me demande souvent un petit ciseau pince très pratique, notamment quand vous avez vraiment des tout petits détails à faire. Vous voyez, la pointe est vraiment toute fine. Donc très très pratique de l'avoir. Sinon, mon petit ciseau couture pour découdre. Mon seul ciseau crampeur que j'ai conservé sur toute la série que j'avais quand j'ai commencé. Voilà, donc vous connaissez, hein, j'invente pas la. J'ai rien inventé. Ici, j'ai mis donc toutes mes pinces. Ça serait bien si je centrais. Voilà. Ici, donc vous allez regrouper. J'ai regroupé toutes mes petites pinces qui me servent lorsque je vais attraper des petites choses ou lorsque je veux maintenir des choses en place. J'ai mon petit aquapainter à disposition également. Un petit crayon, je ne sais pas pourquoi, il aurait pu aller de l'autre côté, mais c'est pas grave. Et devant, j'ai mis donc tous les petits trucs. Encore un crayon, lui il va partir là-bas. Hop.
Des petits outils qui peuvent me servir. Un petit miroir. Non, mais regardez-moi, il est trop beau ce miroir. Mais du coup, bah, vous savez, ça vous arrive des fois d'avoir un petit truc dans l'œil et que ça vous gêne. Vous avez beau essayer de vous massacrer l'œil en le frottant, tout ce qu'il faut, il n'y a rien qui passe. Mais au lieu d'avoir à me lever pour aller dans la salle de bain, bah, j'ai mon petit miroir sur mon bureau. Donc, avec un autre indispensable, une lime à ongles. Voilà. Et donc, au centre, je vais avoir mes petites pinces qui me servent pour mes bijoux, mon ciseau donc de couture, un rouleau pour la fimo, mon ciseau pour faire des petites bandelettes de papier. Donc ça n'est pas de la marque, hein, c'est de la marque Carrefour Rayon Cuisine. Ça vous coûtera moins cher d'aller l'acheter là. Un cutter, ça peut toujours être utile pour les grands cartons. Des petites règles. Avec un petit mesureur éventuellement pour tout ce qui est pour tout ce qui est fil de métal. Ici, différents outils. Donc ça, on appelle ça un triboulet. C'est ce qui vous permet de faire des bagues aux bonnes dimensions. Donc je vous présenterai ça lorsque je ferai des vidéos de bagues en fil de métal. Mes deux petites règles. Et j'ai même j'ai même une baguette magique. Au cas où j'en ai besoin, on ne sait jamais. C'est la baguette magique d'Hermione. S'il vous plaît. Donc voilà, je la garde là. On ne sait jamais si un jour Voldemort vient me voir, je pourrais me défendre. Alors, sinon ici, bah, je vais avoir un petit feutre, vous savez, fausse craie, machin. Je ne sais pas pourquoi je l'ai gardé là. Et deux, ce que j'appelle moi des feutres spéciaux. Donc je vais avoir mon feutre vers sa marque. Et je vais avoir l'estompeur de chez Stampin' Up, donc que vous pouvez utiliser avec les encres Stampin' Up ou avec les marqueurs Stampin' Up. Ça vous permet de venir estomper votre dessin pour coloriser un petit peu vos dessins. Voilà, bah écoutez, j'ai fait le tour de mon petit chariot. Je suis assez fière de moi, mis à part cette petite modification, j'aurais dû y penser plus tôt, mais bon, écoutez. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, comme on dit. Voilà, donc je vous laisse là-dessus. J'espère que cette petite idée créa vous donnera, vous, l'opportunité de faire une organisation dans votre craft room ou scrap room, dépendamment quelles sont les activités que vous pratiquez. Je vous dis à très très bientôt et d'ici là, faites attention à vous. Bye bye!